Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Dans cette vidéo, on va faire pas mal de choses ensemble. Là, je vais coacher une équipe de coachs. Donc là, je leur fais des retours, je leur prépare des retours. Ensuite, à 11h, j'ai un rendez-vous avec eux. Avant ça, il faut que je passe au garage pour prendre rendez-vous. Parce que mon démarreur peut me fait un peu peur et il faut que je change aussi la courroie de ma voiture. Ensuite, je vais chez le coiffeur et après, je récupère ma chérie qui rentre de Bretagne pour les fêtes. Donc voilà, on va passer une journée ensemble, on va faire pas mal de choses ensemble et j'aurai l'occasion de te partager eh bien, des idées, des conseils pour t'aider toi aussi à avancer. L'objectif de ces vlogs, j'ai eu l'idée hier après le premier, clairement c'est de vous inspirer à vivre aussi une vie de choix. Aujourd'hui, tu vois, on est vendredi 29 décembre 2023. J'ai du temps pour moi. Je me suis levé tôt, mais voilà, parce que j'ai bien dormi, je me suis réveillé sans réveil. Je vais pouvoir aller chez le coiffeur, pouvoir récupérer ma chérie à 16h. Ensuite, tiens, je vais aller au garage, il y aura personne parce que c'est vendredi, c'est un petit garage que je connais ici. C'est vraiment une vie en fait où tu fais ce que tu veux parce que tu as décorrélé ton temps de l'argent que tu gagnes. Et ça, c'est pour moi fondamental aujourd'hui. Si on vend son temps, on vend son âme. J'ai complètement revu ma façon de gérer mon temps, mais aussi d'obtenir des finances à travers des systèmes, des compétences que j'ai développées, de sorte à ce que je puisse fournir bien mieux à mes clients la valeur souhaitée, tout en dégageant du temps pour moi. Voilà. Et ça n'a pas de prix, hein. Le temps, c'est la valeur la plus chère, avant ou après la santé, d'accord? Mais voilà, avoir du temps, c'est fondamental, c'est vital pour moi. Et ça me permet de vivre une vie de choix. J'aurai l'occasion de te partager pas mal cette philosophie durant les vlogs parce que c'est quelque chose que je veux vraiment transmettre à l'individu moyen, entre guillemets, parce que c'est triste de voir des hommes qui n'ont pas de temps pour eux, pour leur famille, pour leurs proches, pour leur femme, pour leur épouse, qui se fatiguent au boulot, qui sont épuisés, qui s'attirent des douleurs au dos, des douleurs du stress, et c'est un cercle vicieux qui leur crée des maladies, des cancers, etc. Enfin, on le sait, la première cause du cancer, c'est le stress. Bon, voilà. Et donc, c'est vital pour moi que l'homme retrouve son pouvoir d'influence, qu'il mise sur lui, qu'il apprenne à vendre ses compétences profondes et uniques pour dégager du temps et vivre une vie de choix, une vie libre. Et ce qui est étonnant, et je me suis fait la réflexion le jour, depuis le début, en fait, que ce soit avec la séduction à mes débuts, quand j'ai appris aux hommes à séduire, et avec le temps, la prise de muscles, le business en ligne, etc., ce que j'ai toujours recherché, c'est la liberté de choisir. C'est la liberté de vivre une vie de choix, de vivre une vie qui me correspond. Voilà, moi je crois que la société peut être réagencée, c'est un long débat et ça serait l'occasion d'en parler en podcast, mais je crois que la société peut être réagencée et va l'être parce qu'on va aider des gens, cette fois-ci va aider des gens à vivre une vie libre, d'accord? En misant sur eux, en découvrant leur pouvoir, leur unicité et en vendant ses compétences, en vendant ce savoir, leurs produits, etc., etc. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble étape par étape et il est 7h30 et il faut vraiment que j'enchaîne. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 retours à faire à 10 coachs. Et ensuite, oui parce que je suis, si, bon, pour que tu le saches, je coach les coachs aussi aujourd'hui, les coachs éthiques. Pour les aider à développer leur influence sur leurs clients
développer leur chiffre d'affaires, parce que quand on développe son influence sur un client, qu'on le fidélise, qu'on lui fait obtenir des résultats, le client il reste, il veut continuer sa transformation, il veut aller plus loin. Donc voilà, c'est des coachs dans la remise en forme notamment, et donc je les accompagne à développer eh bien leur coaching. Ensuite, j'ai un peu de montage vidéo à faire, forcément, parce que bah, j'ai repris les vidéos. Et je vais aller après au garage, etc., etc. Tu connais la journée, on va la vivre ensemble. Ok, donc je viens de terminer ma session de travail. Ça a bien duré 2h30. C'était plutôt intense et ça tombe pas forcément le bon jour parce que j'ai beaucoup parlé durant cette session. J'ai fait des retours vidéo au coach en question. Et là, je tourne une vidéo en plus. Mais bon, c'est le jeu et puis c'est cool, j'ai la motivation, j'ai envie. Malgré ce temps pourri, franchement, je suis bien content d'avoir déménagé. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. C'est scandaleux ce temps ici. Alors, l'avantage, c'est qu'on a une belle lumière, mais ça reste quand même incroyable. Bon. Déprimant. Pas de vitamine D, du coup. Pas de soleil, pas de vitamine D. Donc là, ce qu'on va faire, il est moins le quart, 9h45. Dans 1h15, j'ai rendez-vous avec les coachs. On appelle ensemble le vendredi à 11h et le mardi à 11h. Et là, je vais donc aller au garage qui est juste à côté, ici. Enfin, faut longer la rue, hein. Et je vais aller montrer donc un petit peu la voiture, voir ce qu'il en est et si je peux obtenir un devis rapidement. Parce que, et on sera ensemble, je pars à Paris. Le 12 janvier, donc d'ici une quinzaine de jours, je vais passer le réveillon ici avec toute la famille, enfin avec des amis, et puis voir la famille, etc. Je suis venu pour ça. Je vais être à Paris donc jusqu'au 18 janvier, donc on reste une semaine, on a loué un Airbnb. On récupère la mère de ma chérie là-bas qui arrive du Brésil, elle vient nous voir en France un mois, et on va faire le tour de France avec elle, on va aller en Bretagne. Un tour de France, hein, plus ou moins. On va aller en Bretagne, voir de la famille. Forcément, moi, je travaille, hein, toujours un petit peu. En fait, ma vie, c'est ça. C'est à la fois des vacances et à la fois un peu de travail. Et j'apprécie cette vie. Pour certains, je suis en vacances. Pour d'autres, je travaille comme un fou. Moi, j'ai pas l'impression de travailler parce que j'aime ce que je fais, premièrement. Mais surtout, deuxièmement, je suis organisé. C'est-à-dire que je finis mes journées à midi, par là. Parfois un peu plus, je finis plus tard, mais voilà, j'ai du temps pour moi et c'est ce que je veux, d'accord? Ce qui vaut cher pour moi aujourd'hui, c'est le temps que j'ai pour ma vie. J'attends pas de profiter de ma vie à la retraite. Je profite maintenant parce que j'ai développé des compétences, parce que j'ai monté mon entreprise, parce que je continue toujours et encore de me former afin de vivre une vie de choix. Voilà, c'est très très important pour moi. De pas rester sur mes acquis, sinon ben, je vais me faire dépasser quoi. C'est la vie. La vie m'a fait comprendre que le jour où tu arrêtes de cheminer vers ton objectif, où tu arrêtes de te pointer face à la tâche qui te permet de te développer, tu régresses. Tu régresses. On perd les acquis. Ce qui demande de la technique, de la prestance, de l'influence, avoir de l'influence sur la chose, tout ce qui demande de la créativité, de l'improvisation, ça demande de la pratique. Tu dois pratiquer tous les jours, t'entraîner, répéter. Voilà, on parle de pratique délibérée d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment indispensable. Et c'est ce que j'ai fait pour la séduction, j'ai abordé maintes et maintes fois. C'est ce que j'ai fait pour le piano, j'ai fait des heures et des heures de piano. C'est ce que j'ai fait dans le coaching. J'ai coaché, 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 coaché jusqu'à ben, comprendre les mécanismes de coaching, comprendre comment on influence un individu à changer, comment on peut conscientiser les choses importantes qui vont lui donner de l'influence dans sa vie, lui faire garder du pouvoir d'influence et lui faire mettre en place des choses qu'il n'avait pas l'habitude de mettre en place. Bref, je l'ai vu, revu, re-revu. Et c'est ça qui m'a permis de me développer. Donc, très important de toujours pratiquer. Voilà. C'est pour ça que je reprends les vidéos parce que bah, j'ai des ambitions qui me demandent aussi de faire des vidéos, de parler en public. Et c'est de l'entraînement.
Donc je fais ça pour vous, pour apporter de la valeur, pour fédérer une communauté, mais aussi et surtout pour moi. Alors tu vas me dire, mais Geoffrey, pourquoi tu fais des vidéos comme ça un peu à l'arrache? Bon, ça déjà, ça me fait plaisir. Je pense que c'est là où je suis le plus fort. Je suis un mec spontané, vrai. Et puis je trouve ça nul de juste faire des vidéos, tu poses ta caméra, tu montres pas ta vraie vie, t'es là, tu parles devant un écran. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'expérimenter ensemble les choses, de voir le réel et de tirer les leçons du réel. Et puis j'ai envie de créer un format long aussi, pas juste un format pédagogique où je donne des consignes sur comment faire ceci. Puis je ne suis plus niché. C'est beaucoup plus simple pour moi de te montrer ce que je fais et de te partager les leçons de ce que je fais, de mes pensées, ma vision du monde, etc., plutôt que de me poser en vidéo et te raconter ce que j'ai fait. Ah putain, attends, il faut que je lui parle de ça, j'ai pensé à ça, ceci. Non, j'ai même plus le temps de ça en fait. J'ai plus le temps et donc aussi ma volonté c'est d'optimiser mon travail. Tu vois, j'ai sûrement autant d'impact, même un meilleur impact là en vloguant avec toi, plutôt que si j'avais préparé une vidéo, réfléchi à une vidéo, les bullet points, etc. Vas-y, pense à ça, dis ça. Le montage, là il n'y a pas de montage, c'est vrai, c'est authentique, c'est ce qu'on veut. Je vais démarrer la voiture là. Écoute bien le bruit qu'elle fait, c'est justement pour ça que je vais chez le garagiste. Ah bah elle démarre bien, mais oui forcément je suis en vidéo. En vidéo ça démarre toujours bien. Ok, bon mais c'est fait. Il m'enverra le devis la semaine prochaine, donc on verra. Il m'a dit qu'il pourrait intervenir dès le 24 janvier, donc ça tombera très très bien. On sera tout juste de retour de Bretagne. Donc ça tombera nickel. Ça c'est ce que je souhaitais parce que voilà, on est efficace, on est organisé pendant qu'on voyage, la voiture elle se fait réparer et quand on revient tout est clean, on peut rouler en paix. Voilà, bah, écoute c'est fait. Là j'ai un rendez-vous avec l'équipe à 11h. Puis ensuite on va réfléchir à où est-ce qu'on va manger si on mange. Parce que je ne mange pas forcément le matin, pas forcément le midi non plus. Je fais ce qu'on appelle OMAD, One Meal a Day. Voilà, bon, ça c'est encore un autre sujet. Peut-être que je devrais faire des vidéos quand même posées pour vous expliquer un peu tous ces principes, tous ces systèmes que j'ai mis en place dans ma vie. Et voilà le bruit du démarreur. T'as entendu? Ça là, ça n'a pas fonctionné. Elle prend pas en fait. Là, elle a démarré. Il faut changer le démarreur. Bon, allez, go! Bon, en fait, je commence à avoir faim. C'est drôle, hein, mais je pense que j'ai parlé de bouffe, du coup, ça m'a donné faim. C'est ça qu'il faut comprendre avec l'OMAD, One Meal a Day, c'est qu'on mange quand on a faim. Maintenant, c'est vrai que des fois, je fais pas OMAD, donc je fais pas un seul repas par jour, parce que on est invité chez des gens, il y a la fatigue aussi, le temps qui aide pas, enfin il y a plein de trucs en fait. Parfois c'est l'humeur qui, ouais, t'as faim, t'as envie de manger, t'as faim. T'as moins mangé la veille aussi. Bon alors je cherche pas forcément à tout te dire et à être parfait dans mes explications. C'est pas le but du vlog. Je cherche surtout à te partager un peu de ma vie, mes pensées, comment je fonctionne. Et puis, j'estime que tu comprendras les choses au fur et à mesure que tu me suivras en vlog. Là, j'ai appris que ma chérie allait rentrer plus tôt. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés. Elle a pris un BlaBlaCar, ils vont arriver beaucoup plus tôt. Ok. Alors, j'ai acheté de la mâche. La belle mâche. Voilà. Belle mâche épaisse. J'ai acheté des œufs. Des œufs bio. Là, il m'en reste qu'un seul. Mais heureusement, il y a les œufs de mon grand-père qui sont juste ici. Ils sont bio, il nous a ramené ça il n'y a pas très longtemps. Et puis ensuite, de l'avocat. Souvent tu vas entendre, oui, il y a le bon et le mauvais cholestérol. Non, non, il n'y a pas de bon ou de mauvais cholestérol. Mais je vais surtout pas en parler maintenant parce que le vlog va faire 2 heures. Allez, donc l'avocat, c'est très bon, c'est très bon, c'est très bien. On l'a. Pourquoi pas un petit fruit après, pour avoir un peu de glucides, voilà, du bon fructose. Une bonne clémentine. Tu vois, tout ça, c'est des fruits qui sont pas bio. Celui-là, oui, ça, c'est ce qu'on avait ramené. On avait ramené ça. Il faudra qu'on fasse des jus avec ça. On va se débrouiller. Ça, c'est pas bio.
Ça, c'est bio. Ça, c'est du fenouil, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est très très bon avec du miel et du beurre. Voilà, du beurre entier non pasteurisé, c'est très très bon. Allez, let's go! C'est parti, je vais commencer à cuisiner. Parce que dans pas longtemps, j'ai mon col de 11h jusqu'à midi. Et à midi, il faut qu'on décolle, on va décoller. Je vais probablement aller chez le coiffeur avant. On va voir. On va voir, je ne sais pas. Je vis ma vie librement. On essaie de pas trop prévoir les choses, tranquille, ok? Je sais que madame, elle arrive à 14h30. Déjà, ça, c'est pas mal. J'ai eu des rendez-vous ce matin. Enfin, j'ai un rendez-vous ce matin à 11h. Voilà. Mais après, le reste, on vit la vie. On ne cherche pas à tout programmer. Non, tranquille un peu. Tu sais, ce qui m'a remotivé à faire des vidéos, enfin, ce qui m'a, j'ai toujours eu envie de faire des vidéos, mais ce qui me motivait n'était pas aussi fort que ce qui me démotivait. J'étais démotivé par le montage, démotivé par le fait de devoir se pointer devant une caméra et de faire, de lister des conseils avec une liste à puces. Tu lises des conseils comme ça dans une même thématique nichée. Tu peux pas sortir de ta thématique parce que les mecs s'attendent à avoir de la séduction. En fait, c'est ça qui me démotivait à faire des vidéos et le montage. Et ce qui m'a motivé à faire des vidéos, ce qui m'a fait me rendre compte que, mais en fait, non, je peux parler de plus de choses, je peux aller beaucoup plus loin dans les sujets, je peux sortir de ce personnage coach en séduction, etc. Parce que je ne suis pas coach en séduction, je suis coach de vie, c'est déjà mieux. C'est le fait d'avoir rencontré des clients, d'avoir parlé à mes clients, d'avoir eu des retours aussi d'abonnés sur les réseaux, Instagram, etc. Et qui m'ont dit, voilà, j'adore ton côté structurant, ton approche holistique. Alors, c'est un mot qui n'est pas très connu, mais moi, je ne le connaissais pas il y a 2 ans. Holistique, ça veut dire une approche globale, complète. Et c'est super de savoir que, t'es vrai, t'es authentique, t'es toi-même, etc. Putain, ça m'a encouragé, si tu veux. Et c'est pour ça que ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, de vous rencontrer aussi. Donc voilà. Voilà, tu sais, tu connais un peu l'histoire et ce qui s'est passé pour moi pendant pas mal de temps. Et c'est pas évident quand t'es créateur de contenu, quand tu es à l'affiche. C'est pas évident de sortir de ce personnage que les gens attendent de toi. Et je suis pas le seul à avoir vécu ça. Après, chacun le vit à sa façon, hein. J'ai essayé de déléguer la vidéo, mais c'est toujours un peu compliqué parce que la création, c'est très personnel. Déléguer un personal branding, déléguer ta personnalité, c'est pas évident. La seule qui peut faire le montage, qui a déjà fait ses preuves, c'est ma chérie. Ma chérie a déjà fait un peu de montage pour m'aider et c'était incroyable. Voilà. De toute façon, elle est incroyable. Alors, quand tu as du blanc comme ça très épais, ce qui se passe généralement, c'est que ce qui est en bas ça cuit et ce qui est au-dessus ça cuit pas. Tu vois, il y a encore beaucoup de liquide là. Alors, ce qu'il faut faire, c'est percer. Tu perces ton œuf légèrement et ça permet de faire cuire ce qui est au-dessus. Alors, attention à pas percer le jaune, hein. Voilà, tu peux déplacer comme ça le liquide aussi, tu peux le déplacer pour qu'il puisse cuire. Et ce qu'il faut faire aussi, c'est baisser le feu. C'est quand tu baisses le feu, ça évite de cramer ce qui est en dessous et ça chauffe l'ensemble pour cuire ce qui est au-dessus. Hop. Et ça va finir de cuire gentiment. Et pendant ce temps, je peux préparer l'assiette avec l'avocat, de la mâche que je vais laver et puis on va déguster. Let's go. Ok, bon, mais j'ai 5 minutes pour manger, 7 minutes pour manger mon repas. J'ai mon col dans pas longtemps. Donc juste ici, voilà, nous avons une assiette constituée de protéines, de fibres, micronutriments, avec la mâche. Et puis ici, de l'avocat pour les lipides. Qui est une source d'énergie incroyable et qui favorise la prise de masse parce que c'est calorique. Et je ne mange pas de glucides, si ce n'est ce petit fruit, parce que sinon ça me ralentit, ça m'épuise, ça me plombe la journée. Voilà. D'ailleurs, ne mangez pas de céréales le matin. Je vois encore des hommes manger des céréales le matin. C'est les enfants qui mangent des céréales, les gars. D'accord? Ça, c'est bon.
avec des vraies feuilles de salade, bien épaisses. Ça, c'est de la mâche. Ah, comme elle est belle. On régale. Ah putain, ça fait plaisir de faire des vidéos. Ça fait longtemps, hein. Avocat bio, excellent. Prenez soin de vous, les amis. Prenez soin de vous. Mangez correctement. Moi, je suis un gros mangeur. J'adore ça manger. J'ai été éduqué aux tartines confiture, quoi. Parce que les gens sont pas formés. Mes parents n'ont pas été formés. Arrêtez les glucides le matin. Tu vois, là, il est 11h. Je pourrais dire, mais tu n'auras pas faim ce midi. Mais je mange pas le midi, en fait. Je mange pas à 14h, je mange pas. Je mange quand j'ai faim. Ça devrait être ça, notre approche. Manger quand on a faim. Hop. Excellent. Je vais me prendre une orange aussi. Là, comme elles sont belles, les oranges, là. C'est la saison, en plus. La peau est bien épaisse. Ça se détache tout seul. Et le goût, elles sont fruitées. Ah, je vous assure, passez au bio, hein. Ça va vous coûter peut-être 200 à 300 euros plus cher par mois. Un peu plus, ça dépend. Parfois, selon les produits, ça coûte moins cher, mais passez au bio. C'est le jour et la nuit en termes de santé. C'est le jour et la nuit en termes de goût. Arrêtez de manger des fruits et des légumes qui n'ont pas de goût, qui sont fades. Tu m'étonnes que tu n'aimes pas les légumes. C'est normal que tu n'aimes pas les légumes. Déjà, d'une part, tu les cuisines pas. Mais en plus de ça, tu manges des légumes qui sont fades, qui sont pesticidés, transformés. Oh mon Dieu, c'est bon. Allez, c'est la réunion, il faut y aller. Hello, hello, hello. Vous m'entendez? Yes. Top. Yes. Bon, il y a du monde là, en ce vendredi 29 décembre. Bon, bah, c'est top. Hop, il y a Julien qui arrive. Bonjour tout le monde. Salut. Nickel. Bon, bah, top. J'ai cru entendre Quentin, mais non, il n'est pas là, Quentin. Non, il n'est pas là. Ok. Parfait. Bon, on va commencer cette réunion. Ok, on se retrouve. Je viens de terminer la réunion à l'instant. Réunion type coaching plutôt, parce qu'il y a pas mal de choses de base qu'il fallait transmettre à toute l'équipe. Donc, c'était intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je viens de réserver aussi le coiffeur, juste ici. J'ai préféré réserver parce que je me suis dit quand même c'est la période des fêtes, il risque d'y avoir du monde. Et effectivement, il y a une période blanche où on ne peut pas réserver. Donc j'ai réussi à avoir un créneau dans un salon que je connais à 17h. J'ai pris une coupe shampoing, une coupe coiffage simple. Parce que la barbe, c'était 30 euros de plus. Et même si je gagne bien mieux ma vie qu'avant, ça me fait chier de mettre 30 euros pour tondre ma barbe, sachant que je sais le faire. Et aussi qu'elle elle a pas... elle est bien tendue, quoi. Ça va, elle n'est pas non plus dégueulasse. C'est pas parce que je deviens plus riche que j'ai des dépenses démesurées. Tu vois, si demain je viens m'enrichir, je vais pas tout de suite m'acheter une nouvelle voiture, je vais pas tout de suite me faire des gros plaisirs, taper dans du luxe, etc. Non, parce que bah, en fait, j'ai connu un peu la misère, j'ai connu un peu les galères, et je sais, bah, déjà, j'ai un peu peur de revenir en arrière, j'ai un peu peur de revenir à cette galère, je pense. Et je sais ce que vaut l'argent, enfin, je sais ce que c'est que de galérer, je sais ce que c'est que de compter les fins de mois. Et mine de rien, 30 balles, tu vois, je préfère, c'est comme ça que je réfléchis, c'est 30 balles de plus. Donc là, je vais payer 33 euros, ce qui est déjà pas mal pour une coupe, au lieu de 60. Mais en fait, au lieu de 60 et quelques, ouais. Et en fait, je me dis que 30 balles, c'est quand même c'est un resto, un bon resto avec ma chérie. Alors, c'est une moitié de resto, après ça dépend où tu vas. Mais il y a des restos comme des crêpes bretonnes, 30 balles, t'as deux crêpes. Bon, il faut rajouter le dessert, allez, 45 balles, tu vois. Mais tu comprends l'idée. Je réfléchis plutôt comme ça. Ok, est-ce que c'est vraiment judicieux? Est-ce que c'est intelligent? Est-ce que c'est. Ou bien c'est.
Après, je me dis aussi, est-ce que ça va me faire du bien? Est-ce que je vais pouvoir me détendre? Est-ce que ça va être un moment relaxant aussi pour moi? Je réfléchis en termes de confort aussi. Et dans la balance, ce qui pèse plutôt, c'est voilà, le partage, le fait de vivre un moment avec ma chérie, de plutôt payer un resto ou de plutôt payer une sortie. L'autre jour, on s'est payé une sortie en karting. Je te mettrai deux, trois photos ici. Suis-moi sur Instagram si tu veux voir un peu eh bien, l'aventure en direct, hein. Le vrai direct, c'est les stories. Voilà, je publie un peu en story. On s'est fait un karting. Les 10 minutes, c'est 17 euros. Ouais, c'est extrêmement cher. Mais c'est 10 minutes de kiff. C'est du souvenir. On a envie d'en refaire. Peut-être qu'on va se prendre un forfait. Et voilà, donc je réfléchis un peu comme ça. Mais je claque pas mon argent dans des. Dans des plaisirs comme ça que je peux me procurer moi-même et qui me paraissent trop chers pour ce que c'est. Tu vois, par exemple, une voiture, pour moi, une voiture, c'est fait pour rouler. Et après, j'ai pas le plaisir de m'acheter une belle voiture. C'est pas comme ça que je fonctionne. Moi, je préfère me payer un beau voyage, un bon restaurant. Il y a aussi ça, tu vois. Et je pense que c'est important d'avoir ce recul quand tu fais les dépenses parce que bah, je trouve qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont l'esprit enfant avec l'argent, qui vont vite dépenser, ne pas épargner, ne pas projeter l'avenir, ne pas et qui vont se retrouver à la fin du mois sans rien, en fait. Sans rien, Et c'est juste parce qu'ils ont cet esprit, voilà, je réfléchis pas, je dépense. Maintenant, je suis riche, donc je dépense. Oui, mais en fait, tu étais plus riche quand tu touchais le chômage ou tu étais plus riche quand tu touchais le SMIC parce que tu épargnais. Et à la fin du mois, il te restait plus d'argent parce que tu avais bah, cet esprit d'épargner. Il y a des gens qui gagnent très bien leur vie, 8 000, 9 000, 10 000 euros. À partir de 5 000 euros par mois, tu peux considérer que, bon, voilà, t'arrives à nourrir tous tes besoins, même les plaisirs. Mais au-delà, il y a des gens qui dépensent tellement d'argent qu'ils se retrouvent à la fin du mois sans rien. Je sais que l'argent, ça, c'est important. Je sais combien c'est difficile de gagner de l'argent, de commencer à gagner un certain revenu. Donc, je fais attention, en fait. Des fois, je remercie. Le créateur, le divin, de m'avoir permis de connaître le manque, de m'avoir permis de connaître la vie sans sous, parce que ça me permet aujourd'hui de faire des dépenses raisonnées et de me faire plaisir, mais de manière cohérente. Par exemple, l'autre jour, j'étais en train de faire du shopping avec ma chérie. J'ai pas trop de vêtements, je me suis vachement libéré de vêtements, mais là, pour le coup, j'avais rien. Et il fallait que j'achète un pull parce que j'avais rien, quoi. Je viens du sud, donc. Il m'a dit, mais c'est bon, Geoffrey, tu peux te le permettre, c'est ok, en fait. Maintenant, tu gagnes bien ta vie, et voilà, c'est ok. Je dis, ouais. Mais ça me faisait un peu chier de mettre un petit billet sur un beau pull, etc. En même temps, j'aime acheter de la qualité, et ça, vous le savez, j'ai toujours dit, bah, il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité, et ce, pour tous les domaines. Que ce soit avec les femmes ou les vêtements ou encore bah, le matériel. Tu vois, j'ai investi en 2022 dans un MacBook. J'ai pris un MacBook Pro parce que bah, j'avais le besoin. Je cherche aujourd'hui, voilà, je me pose la question à chaque fois quand je fais une dépense, est-ce que j'en ai besoin et est-ce que ça va me procurer du confort? Est-ce que c'est utile pour moi? Typiquement, l'exemple de la voiture, aujourd'hui j'ai ma Citroën, j'ai une Citroën C3. Je l'ai eu quand j'ai passé mon permis en 2013. Donc il y a 10 ans, je l'ai encore aujourd'hui. Ma Citroën C3. Je roule avec et je vais la réparer. Tu vois, je suis allé chez le garagiste tout à l'heure. Je vais la réparer. Voilà, c'est des frais, mais c'est minime. Et voilà, j'ai une approche, en tout cas, j'estime une approche intelligente des dépenses. J'épargne 50% de mes revenus. En fait, c'est fondamental parce que. Déjà, quand t'es entrepreneur, tu ne sais pas de quoi demain est fait. Et puis, je sais pas, il y en a, ils ont pas un sou, ils gagnent une misère. Ils aimeraient avoir le tiers de ce que tu gagnes. Et toi, tu fais des dépenses comme ça, déraisonnées.
Voilà, je pense qu'il faut faire attention à ça. Donc, je t'encourage à réfléchir à ça. Est-ce que ça me procure du confort? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est utile? Voilà. Si l'un des trois paramètres est validé, vas-y, achète, c'est OK. C'est soit utile, soit tu as plus de confort, et c'est important le confort, soit tu en as besoin. Moi, la barbe, j'en ai pas besoin. C'est pas utile, elle est propre, ça va. Et c'était quoi? Le confort? Bah, le confort, ça va. Je suis pas à plaindre. J'aurai l'occasion de retrouver ma chérie et de passer des moments confortables. Voilà, autrement qu'en se faisant raser la barbe. Ok? Bon, mais tant qu'à faire, je vais profiter du temps que j'ai pour me raser la barbe à une certaine longueur, histoire que ce soit fait et que le coiffeur puisse adapter la taille en fonction de ma barbe. Je veux que ma barbe fasse la même taille que la base de ma coupe, juste ici. Ok. Donc, je suis un peu en retard. La tondeuse a galéré. Elle est tombée en panne de batterie en pleine tonte. Oh, regarde le ciel. Regarde là, ça. Ça là. Les avions qui laissent leurs traces. Regarde, ils font que passer. Incroyable. En fait, c'est simple. Dans la région dans laquelle je suis, tu vois, il y a un avion ici, un autre ici, un troisième ici. Après avoir enquêté pas mal de fois, avoir étudié un peu le sujet et avoir observé surtout. Ça, c'est un truc qui m'agace. C'est pour ça aussi que je souhaite vivre ailleurs qu'en France. On est revenu en France là pour des raisons exceptionnelles. Bah, tu feras tes recherches, hein. Et si tu veux, on pourra en discuter. Mais voilà, c'est. En fait, dès qu'il fait beau dans cette région où je suis, bah, tu vois les avions passer. Et ces traces dans le ciel là, elles s'étendent. Alors certains te diront, oui, mais c'est de la condensation. Mais non, je suis pas certain parce que la condensation, elle est censée disparaître. C'est de la buée, de la condensation. Tu penses vraiment que l'avion il rejette de la condensation? Il rejette de l'eau? Non, non. Renseignez-vous, regardez. C'est très pilule rouge tout ça. Let's go, on va chercher madame. Et puis ensuite, on va sûrement aller se prendre un café. Pour revenir sur cette tracée au niveau du ciel, rapidement, on va les appeler comme ça, histoire de ne pas se faire striker. Parce que quand tu parles de ça, ta vidéo elle saute. Ça aussi, c'est bizarre. Donc pour ceux qui veulent savoir, vous me contactez en DM. Voilà. Vous me contactez sur Telegram. Voilà. C'est tout. On est obligé d'être discret. Donc, vous remarquerez que les avions passent seulement lorsqu'il fait beau temps. Voilà. On les voit surtout passer là où il n'y a pas de nuages. C'est très intéressant de remarquer ça. Aussi, vous remarquerez qu'il y a des avions qui ne laissent pas de tracé. Tout se passe bien. Voilà. Et ils sont aussi hauts. Il y a des avions aussi qui sont beaucoup plus hauts, qui laissent une petite trace, mais cette trace, elle disparaît. Les avions dont on parle là, ceux que je vous ai montrés, ce sont des traces qui restent et qui s'étalent. Si vous regardez le ciel, après, il faut avoir le temps de regarder le ciel. Moi, j'ai pris le temps, je restais là, je regardais. Bah oui, j'ai le temps. Mais je regardais le ciel et tu vois la fumée de derrière l'avion qui s'étale. Elle s'étale jusqu'à former une espèce de brume, une espèce de brouillard. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il va pleuvoir. Le lendemain, il pleut généralement. Et puis, tu te sens moins bien. Tu tousses un peu, tu as l'énergie un peu plus basse. Déjà parce qu'il n'y a pas de vitamine D, il n'y a pas de soleil. Et ouais. Il y a des livres à ce sujet. Si ça vous intéresse, on discute sur Telegram, pas sur YouTube. Et ouais, les amis, je peux pas en parler de ça. Je peux pas en parler ici, je peux en parler que sur Telegram. Voilà. Il faut savoir se maîtriser parce qu'on est contrôlé. Et ouais. Let's go! Je vous laisserai observer ça et surtout faire vos propres recherches. Et s'il vous plaît, ne mettez pas le nom dans les commentaires.
laissez les gens faire leurs recherches, laissez les gens enquêter. C'est important que chacun s'éveille par lui-même. Hop, je vous montre. Voilà. On est un peu à contre-jour, mais on les voit les tracés là. Et là ici on voit un tracé qui s'est vachement étalé. Vous voyez le tracé juste au-dessus là? C'est une ligne étalée dans le ciel. Et là-bas on voit plein d'avions qui eux-mêmes passent parallèles à ces lignes. Ils quadrillent le ciel. Mais là on voit bien là, putain, on voit bien là. Voilà, c'est en face. Malheureusement c'est à contre-jour, donc en vidéo c'est hyper compliqué, mais on voit bien, on voit bien. Vous voyez les lignes partout là? C'est incroyable. Et on différencie bien le vrai nuage du tracé. Vous voyez, ça c'est une ligne toute récente, celle-ci là, qui vient juste d'être tracée. Non, ça ne focus pas. Voilà, ça c'est une ligne toute récente qui vient juste d'être tracée. Et juste à côté, ici là, c'est une ligne qui s'est étalée. Ce tracé s'est étalé, juste à côté. Voilà, et ils font que passer. Regardez toutes ces lignes là, de partout. Ça c'est pas des nuages les amis. Ce n'est pas des nuages. Un nuage, c'est vaporeux, c'est gros, c'est épais, c'est condensé. Ce n'est pas une ligne qui s'étale. D'accord? Ce n'est pas une ligne, un tracé d'avion qui s'étale dans le ciel. Ok? À chacun de faire ses propres recherches. Ça va mon cœur? Après, ouais, tu m'étonnes. Ça va? Ah ouais. Belle. Ah ouais. Toi aussi, ça te va trop bien, mon de bar. Ah ouais? Ah ouais, mais ça te va trop bien. Je sais pas, t'as l'air fou sympa. Des frappes? Oui, des frappes. Ah ouais. T'as acheté ça sur la route? Hyper. Comment ça s'appelle? Artificielle, tu vois, la pâte elle était là, c'est type asiatique. Ouais, c'est pas. Je mangeais que ça. Déjà, ils mangent ça tout le temps. En fait, ils sont dégueulasses. Et finalement, aujourd'hui, je supporte pas, c'est élastique, c'est horrible. Je lui fais, mais t'as mangé quoi? Et il me fait, tu me dis, bah, j'ai mangé un sandwich. Sandwich. Du pain, on mange du pain. Avec 2-3 légumes, un peu de jambon, que dalle quoi. Il se détruit, il fait que tousser. Je sais pas si t'as remarqué, mais toujours il tousse un peu. Et je vais arrêter, je pense, la viande en général. Ouais, moi je mange que le fruit de mer parce que ça m'a pas fait. Pour l'instant ça va, ouais, moi aussi. Et peut-être le ouais. Mais après c'est bon, le boudin c'est bon. Faut se lever pour commander peut-être. Donc on arrive au café. Voilà. Ah, j'attends. Il y a un cadeau. Madame m'a fait un cadeau. Et moi aussi, mais elle ne sait pas. Non. Mais non. Je lui enverrai un petit message. Ah oui, fleur de sel. Sel de Guérande, c'est du bon sel ça. Oh, des couleurs. Qu'est-ce que c'est beau. Magnifique. C'est quoi ça? Ça, c'est de la chayotte. Hop. Voilà dans quoi je les mets, les 30 euros du barbeur. Des spaghettis sans gluten. C'est cher, mais la santé n'a pas de prix. Après, celle-ci aussi, tu vois, mais bon, j'ai envie de spaghettis. Non, là c'est du blé là. Là c'est du blé et on évite le blé. Donc voilà, on va terminer la vidéo sous la pluie. C'est ce que j'avais prédit. Quand il passe, il pleut. Passez une très bonne journée, très belle soirée. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires sans citer le nom en question et à poser vos questions d'ailleurs. Si vous en avez, voilà, n'hésitez pas.
Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Rejoignez-moi sur ma liste email privée. Dès que vous rentrez votre email, vous avez accès à mon canal Telegram. Et après, je peux aussi vous contacter par mail. Et puis, rejoignez aussi mes réseaux sociaux, Instagram pour aller plus loin et cetteface.fr. Bref, tout est dans la description et là, il commence à flotter, il faut courir. Passez une belle soirée, ciao, ciao.